Le VIH-Sida n'est plus une fatalité. Pour preuve, nombreux sont ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui assument de plus en plus leur séropositivité et mieux, certains en ont fait un combat pour aider justement tous ces malades à sortir de la torpeur, à s'épanouir malgré leur statut. Au nombre de ceux-ci, Céry Paul, 20 ans, jeune Ivoirien, blogueur, porteur du VIH depuis l'enfance. Sans tabou, il a accepté de nous raconter son vécu avec la maladie. Paul, bienvenue sur notre plateau. Merci madame. Et il n'est pas seul, il est accompagné par Sandra Yaolasme, qui est la présidente adjointe du mouvement de lutte contre la sérophobie. C'est alors exact. La sérophobie, qu'est-ce que c'est? La sérophobie, en des termes plus simples, c'est la peur d'une personne qui vit avec le VIH-Sida. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes avec Paul. Alors, je te tutoie, tu me le permets. Tu es porteur du VIH depuis l'enfance, mais comment tu as contracté la maladie? Bon, je peux dire que j'ai contracté la maladie à la naissance, parce que ma mère, étant séropositive, je pense pas qu'elle ait pris les médicaments et autres. Vu que je ne l'ai pas connue en tant que telle, elle est décédée, j'avais déjà 3 ans. Donc, mon père m'a dit aussi qu'il ne m'a pas donné le lait maternel, donc je peux dire que c'est à la naissance que j'ai contracté la maladie. D'accord. Alors, tu grandis sans trop savoir que tu portes donc cette maladie. Mais comment tu as su justement que tu étais malade? Est-ce qu'il y avait des symptômes qui se sont manifestés? Je tombais à chaque fois malade. Chaque année, on peut dire souvent chaque où il y a des périodes où les mois se suivaient, je tombais malade. C'est à l'âge de 12 ans que j'ai fait une grave maladie. J'ai failli rester que un médecin a demandé « Ah, est-ce qu'on peut pas faire le test de dépistage ?» Il a proposé à mon papa « Est-ce qu'on peut pas faire le test de dépistage de l'enfant ?» Parce qu'on constate que l'enfant a des symptômes qui se relient au VIH. Mm-hmm. Donc, mon papa a dit « Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. » Donc, on a fait le test, c'était positif. Et à même temps, immédiatement, on m'a mis sur le traitement ARV. Et puis, j'ai commencé mon suivi. Alors, c'est vrai que tu étais très jeune, 12 ans. Mais lorsque tu apprends la maladie, quel a été ton sentiment? Est-ce que déjà, tu avais été informé de ce que c'était le sida, le VIH? Bon, comme toute autre personne, on apprend ça à l'école. Et on me voyait à l'école, mais je n'avais pas assez d'informations dessus. Ça m'a choqué au début, mais j'ai commencé à m'habituer, à m'adapter au fur et à mesure, et puis à avancer. Choqué jusqu'à quel niveau? Tu t'es dit, je suis différent des autres, je ne suis pas un enfant comme les autres. Tu t'es posé beaucoup de questions? Moi-même, de base, je m'étais fixé même des limites. Genre, je ne peux pas faire ça parce que je suis malade. Non, je ne peux pas aller là-bas parce que je suis malade. Non, je ne peux pas faire comme lui parce que je suis malade. Non, je ne peux pas, non, je ne peux pas, non, je ne peux pas. Et puis, mon sexe aussi, tout ça, bon, c'était un peu compliqué, donc je m'étais renfermé moi-même. Mais je ne démontrais pas aux gens. Mais arrivé un moment, j'ai dit stop, il faut que cela change. Et puis j'ai commencé à changer ma vie. Ce que je ne faisais pas avant, je fais aujourd'hui. D'accord. Alors, Sandra, vous êtes, on l'a dit, hein, présidente d'un mouvement de lutte contre la sérophobie. Est-ce que vous avez déjà reçu des enfants, par exemple, de l'âge de Paul? Il y avait 12 ans à l'époque. Est-ce que vous recevez des enfants atteints du VIH? Comment ça se passe à votre niveau? Non, à notre niveau, on n'a pas reçu encore d'enfants vivant avec le VIH. Parce que vous savez, la sérophobie qu'on combat, c'est surtout les adultes qui en sont victimes. Première vue, puisque eux, ils ont un sexe social beaucoup plus développé. Et donc, à ce moment-là, ils vont ressentir encore plus l'exclusion venant de ce sexe social-là. Donc, pour les enfants, on n'est pas encore, on n'a pas encore été confrontés à ça. Néanmoins, dans nos actions, on convient de faire des campagnes de sensibilisation auprès des adolescents dans les lycées et collèges, afin qu'ils soient encore plus informés sur la maladie. Parce que justement, le VIH touche toutes les couches sociales, touche les enfants, les hommes, les femmes, les adultes. Alors, Paul, est-ce que les traitements étaient difficiles à supporter? Comment tu supportais tous ces traitements-là? Dans les débuts, oui. Parce que dans les débuts, tu dois prendre des comprimés qui souvent, ton organisme n'est pas encore habitué. Tu es fatigué, tu transpires, tu te sens pas bien. Mais au fur et à mesure que tu avances dans ton traitement, au fur et à mesure, ton corps s'adapte. Donc, arrivé un moment, ça ne devient pas difficile. Sinon, au début, je peux dire, bon, c'est difficile. C'est difficile, mais quand tu as le soutien aussi des autres, aussi, ça passe vite. De l'entourage autour. Oui, ça passe vite. Est-ce que tu as eu le courage d'en parler à tes amis? Parce qu'on est jeunes, on a des amis avec qui on vit dans l'enfance, c'était mon cercle d'amis, même, bon, je peux dire mes muets amis qui étaient informés. Rares ceux dont les personnes qui savaient, qui connaissaient mon statut sérologique.
Mais arrivé à un certain âge, j'ai dit, bon, je m'en foutais, quoi. La vie, c'est la vie. Je on assume. Oui, je ne peux pas vivre caché. Faut pas cacher sa séropositivité. Si tout le monde, tout le si, temps, des gens, si des gens se permettent de dire qu'ils ont le palu, autrement, si je peux faire de même, je n'ai rien à cacher, je n'ai pas demandé donc, aussi. Donc, c'est dramatisé à ton niveau. Oui. Parce que je trouvais que c'était important de le faire. Oui, mais je l'ai fait par étapes. Je ne suis pas venu au coupon. J'étais à la face des gens, que non, je suis séropositif. J'ai commencé d'abord à sensibiliser. Certains me demandaient à chaque fois si j'étais séropositif, je disais non. J'ai commencé à sensibiliser d'abord sur WhatsApp et puis sur Instagram, j'en parlais. Puis que j'étais U-report, donc au fur et à mesure. Et puis après, quand j'ai vu les histoires de blog, j'ai dit j'allais créer mon blog. Mais pour pouvoir créer mon blog, je dois dire à tout le monde que je suis séropositif. Donc, soit je suis venu, je fais un statut positif, bon, voici. D'accord, on va y revenir tout à l'heure, mais avant le blog, quelle a été la réaction de tes amis quand tu leur as appris ton statut? Bon, quand c'était sur WhatsApp, je me souviens, c'était un soir. J'ai fini, c'était le 30 novembre. J'ai fini et puis j'ai jeté mon téléphone, j'ai commencé à pleurer, dire, oh, c'est la cata. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est qui va arriver, on prend. Okay. Et au fur et à mesure, je reçois des messages, je n'ai pas voulu regarder, mais après je regarde. Ah, mais attends, tu avais ces puis tu ne nous disais pas, mais on est tout cœur avec toi. Ah, frère, non, c'est rien. Ah, frère. Non, après, ça a changé, quoi. Parce qu'au début, je fais la sensibilisation, donc ça fait que ça a changé l'idée de tout le monde. Donc tout le monde était habitué. On peut prendre Paul tel qu'il est. Et pourquoi c'est venu l'idée de faire une sensibilisation? Parce que tous les malades ne le font pas. Pourquoi toi, tu as décidé de le faire, justement? J'ai perdu des amis. Ok. Des amis, on allait à l'hôpital ensemble à cause de la stigmatisation qu'ils vivaient au sein de leur famille, ils sont décédés. En fait, comme elle a dit, bon, peut-être qu'elle ne voit pas dans mon sens, il y a la stigmatisation qui existe au niveau des adultes. Mais il y a la stigmatisation aussi qui existe aussi au niveau des enfants. Mais c'est quelque chose dont on n'en parle pas parce qu'on trouve que ce sont des enfants, ils sont sur le couvert des parents et autres. Mais souvent, les parents sont les propres facteurs même de la stigmatisation envers les enfants. Et c'est vraiment difficile quand un enfant est confronté à cela. Et vraiment, ça le détruit petit à petit. Tu vois, un enfant qui a 15 ans, qui fait une dépression. De waouh, quand il arrive au suicide et autres. J'ai eu un ami qui s'est suicidé dans son traitement. Et il y a d'autres qui ont laissé les traitements, qui, pour même en fait, ils voulaient mourir, même c'était le seul but. Donc j'ai dit, attends, il faut changer cela. Pourquoi nous? Il fallait changer les mentalités. Il faut qu'en tant qu'enfant, on parle. Donc j'ai proposé à mes amis, ils ont dit que nous, on n'était pas prêts, on ne voulait pas. Juste toi, tu le fais, tu changes, on te regarde, mais nous, on ne veut pas. Donc j'ai dit, ok, comme vous ne voulez pas, moi, je vais parler à votre place. Donc j'ai dit de me lancer, je ne vais pas regarder à gauche, à droite. D'accord. Alors Sandra, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le VIH-Sida est un sujet encore tabou? Oui, on peut dire clairement que le VIH-Sida est encore tabou, surtout en Afrique occidentale. Je vais parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Parler du VIH-Sida, c'est parler d'une vie, comment je vais dire, débridée. C'est parler de sexualité qui est très tabou en Afrique. On ne parle pas de sexualité. Les gens ont encore peur lorsqu'ils entendent VIH-Sida. On se dit, on pense directement à la mort. Oui, ils sont restés encore dans les mentalités où les publicités faites sur le VIH étaient véhiculées avec la peur. Justement, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus une fatalité. Donc, quel est le problème? Pourquoi ça persiste encore? Parce que c'est une maladie déjà qui est vue comme celui qui la porte est responsable de ce qui lui arrive. Donc déjà, les personnes, ils se disent, tu l'as bien cherché par ton mode de vie. Ça, c'est déjà ça. Un mode de vie malsain. Malsain, exactement. Et ensuite, c'est une maladie qui est tellement liée au sexe que les personnes en ont honte de dire qu'ils sont malades ou de vouloir s'approcher de ces personnes malades alors se disant qu'ils vont être... Alors qu'on ne contracte pas la maladie que par le sexe. Par le sexe. Exactement. Paul, il n'a pas eu par le sexe, par exemple. Par exemple. Uh-huh. Et alors que je veux dire, en Côte d'Ivoire, on sait très bien que le sexe est très libéré. C'est-à-dire, on veut juste faire les aveugles à ne pas regarder en face de nous. Et finalement, ça emmène des jeunes qui s'adonnent à des pratiques sexuelles sans être informés des conséquences qui en découlent. Uh-huh. Et au final, cette campagne de peur qui a été véhiculée sur le VIH n'a pas vraiment fonctionné parce que les contaminations... Ça continue. Donc, malgré qu'on ait montré des personnes qui sont complètement affaiblies, amaigries... Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Aujourd'hui. Ça n'a pas donné l'effet que les gens aient peur de la maladie qu'ils peuvent l'avoir parce qu'ils se disent que ça n'arrive qu'aux autres. Mmh. Voilà le problème. Ils ont peur de la maladie, mais en se disant que ça ne peut pas leur arriver à eux. Donc, ils vont stigmatiser des personnes qui sont malades sans avoir même eux-mêmes fait leur test de dépistage. Ils ne savent même pas leur statut sérologique, qu'ils sont déjà en train de pointer du doigt celui qui est malade. Les autres.
Il y a toute une... Enfin, je ne sais pas approximativement le nombre exact, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait de test, qui ne savent pas leur statut sérologique et sont eux les plus dangereux. Parce qu'eux, ils vont continuer de transmettre la maladie si jamais ils sont contaminés. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est déconstruire l'image du VIH. Pas dire aux personnes, ce n'est rien du tout, donc allez-y, vous pouvez faire comme vous voulez. Non, ce n'est pas ça le but. C'est que le VIH, c'est une maladie, mais c'est une maladie comme une autre. Et les personnes qui sont porteurs de cette maladie-là ne doivent pas être stigmatisées, ne doivent pas être rejetées, parce qu'on ne rejette pas ceux qui ont le palu. Pourtant, le palu, ça tue aussi. D'accord. Alors, Paul, aujourd'hui, tu te présentes un peu comme le porte-voix de ces... toutes ces personnes, tous ces jeunes qui sont malades du VIH ou du VIH-Sida à travers ton blog, le blog Top Séro, c'est ça, que oui. tu as créé. Mais depuis la création de ce blog-là, quel est le retour que tu as des gens autour de toi? Bon, j'ai bien fait de créer ce blog et c'est quelque chose dont je suis fier. Parce que quand j'ai commencé, il y a des jeunes... En fait, ma génération, en fait, n'a pas d'informations sur le VIH. On va à l'école, c'est vrai. Et je vais rejoindre ce que Tata vient de dire. Il y a une communication qui est limitée, en fait, sur le VIH. On trouve le sujet tellement tabou qu'on refuse d'en parler. Même à l'école, le professeur va venir faire le cours sur le VIH, sur la sexualité. Il va parler, mais il va se diriger principalement sur la grossesse précoce que le VIH-Sida. Et souvent, même quand un professeur vient parler du VIH-Sida, il ne donne pas de bonnes informations puisqu'il n'a pas, en fait, il n'est pas actualisé sur la maladie. Donc, ce que lui, il a appris dans le passé, il jette son visage, il donne ça aux élèves. Et quand les élèves prennent, ils ont ça en tête. Donc, à force de... Quand j'ai commencé et maintenant, quand je continue, des gens viennent que... Je ne savais pas qu'il y avait ça, je ne savais pas qu'il y avait ça. Ah, Paul, est-ce que tu peux me donner tel conseil, tel truc? Pardon, tu peux me parler un peu du préservatif? Ah, tu peux m'aider à faire ça, Et au fur et à mesure, je constate que ma génération commence à être informée et commence à prendre des précautions. À s'intéresser. Pour ceux aussi qui sont séropositifs, quand ils viennent, ah, j'aimerais bien faire comme toi, mais je n'ai pas le courage parce que voici ce que je subis, voici ce que je subis. Et là, maintenant, je dis non, voici comment moi j'ai fait et puis je suis là aujourd'hui. Et aussi, je fais aussi un truc pour qu'on arrête un peu l'auto-stigmatisation aussi. Okay. Parce qu'à cause de la communication, quand je reviens dessus, une personne, quand il finit de regarder tous ces trucs dramatiques à la télé qui ont tout le VIH-Sida, quand il vient à la maison, que lui, il apprend son statut sérologique, franchement, on dit, c'est pas possible. Il a envie de se tuer, admettons lui-même que la maladie va venir le tuer. C'est même pas la maladie qui le tue, finalement. Oui. C'est son état d'esprit. Oui. Exactement. Voilà. Donc, il s'auto-stigmatise. Tu le regardes un peu bizarrement. Ouh, il se sent gêné. Ah, ils sont en train de penser que j'ai le VIH, ce genre de trucs. Donc, moi, en fait, c'est pas. Donc, moi, je mets aussi l'accent sur ça. Tu es VIH, mais c'est pas dit que dans ton entourage, partout tu vas passer, on va penser que les gens tu es VIH, et c'est pas écrit sur ton front. Justement, personne ne sait. Oui, c'est ça. Tant que tu n'as pas ouvert la bouche pour informer le grand public. Alors, est-ce que Sandra, tu confirmes ce que Paul a dit? Il y a un problème d'information. La population n'est pas suffisamment informée sur la maladie, d'où ces attitudes qu'on a de rejet. Oui, en effet, il y a un gros souci de communication. On ne communique pas assez sur une maladie qui fait autant de millions de morts. Et je trouve ça vraiment désolant. On préfère communiquer sur autre chose. Mais on attend quoi, la journée mondiale du sida pour communiquer sur le sida? C'est pas possible. Les gens, ils sont contaminés tous les jours et ils meurent tous les jours. Vous estimez qu'il faille le faire tous les jours, tout le temps? Je dirais pas tous les jours, comme ça, peut-être parce qu'ils ont peut-être pas le budget pour le faire. Mais il faut garder en tête que le combat, ça continue. C'est pas juste à la journée mondiale du VIH qu'on en parle et puis après c'est terminé. Il faut que les personnes puissent être informées à chaque fois que ça puisse revenir, qu'ils puissent savoir l'évolution par exemple des traitements. Il y a des personnes qui ne savent pas aujourd'hui qu'on peut ne pas transmettre le VIH étant porteur, qui ne savent pas qu'on peut avoir une charge virale indétectable, qu'on peut faire des enfants sains. Ils ne savent pas. Et donc, par manque de connaissances, ils se disent que s'ils rencontrent une personne séropositive, ils préfèrent ne pas se mettre en couple avec parce qu'ils n'auront pas d'enfants et toutes ces choses-là, ce qui est absolument faux. Ce qui est faux, c'est possible d'avoir des enfants sains aujourd'hui? Oui, c'est très possible. Et la preuve vivante, moi, j'ai ma soeur jumelle qui s'appelle Andrea Mestre aujourd'hui, qui est la présidente du mouvement, qui est très active sur les réseaux sociaux. Et elle a 3 enfants sains. Son mari est séro-négatif. Et ces enfants-là, ils ont été conçus naturellement. Vous voyez, il y a des personnes qui pensent que c'est peut-être inventé, mais non, c'est possible. D'accord. Alors, Paul, il veut rajouter quelque chose rapidement. Tout à l'heure, la palette de la communication, c'est bien dit, c'est vrai. Parce qu'on ne demande pas ce que ça soit fait tout le temps, tous les jours, mais au moins que les gens se rappellent qu'ils aient une idée au moins de la stigmatisation. Excusez-moi, je n'ai pas favorisé quelque chose, mais je n'ai pas indexé une maladie, mais je vais parler. Tout dernièrement, octobre.
Octobre rose. Partout où tu passais, tu entendais Octobre rose. Mm-hmm. J'attendais parler à faire de conseils de signes. En grande ici. Pompe, hein. Oui. Mais attendez, vous allez voir le 1er décembre. Même pas. Attends. Ceux qui sont dans le domaine vont s'intéresser à la chose, ils vont parler un peu. Mais lorsque le 1er décembre est passé, c'est fini. Il n'y a pas un mois. Oui, oui. Oh, l'Octobre rose, on prend Octobre même, complet même, on dédie ça, Octobre rose. Mm-hmm. Mais pour ce petit truc-là, même tu ne vas pas voir des gens, on met par exemple, Octobre rose, on met des rubans roses autour, des logos des médias, d'autres même prennent dessus des entreprises et autres. Mais quand le 1er décembre arrive, même le ruban rouge, tu ne vas pas le voir, je suis peut-être à la tête, il y a un truc comme ça. Parce qu'en fait, on sait quelque chose que les gens n'en parlent pas, ils s'en foutent en fait. Ils disent que ça les intéresse ça pas. Ça n'intéresse personne. Personne. D'accord. Alors nous sommes déjà au terme de notre entretien. Sandra, est-ce que tu as un mot à adresser à toutes ces personnes qui nous regardent ? Oui, j'ai un mot, c'est de dire que déjà, j'ai un mot pour les personnes qui vivent avec le VIH. C'est de leur dire qu'ils sont malades, certes, mais ça ne fait pas moins d'eux des citoyens de zones inférieures. Ils sont malades, mais ça reste des êtres humains comme nous. Donc il faudrait qu'eux, ils puissent accepter cette maladie et se dire que c'est une maladie comme les autres qu'ils peuvent vivre avec. Et pour les personnes qui ne sont pas malades, c'est de savoir que les personnes qui vivent avec le VIH ne sont pas différentes, qu'on peut être amis avec, on peut boire avec elles, on peut se marier avec, faire des enfants, ça ne change absolument rien. Une personne qui prend ses médicaments a une espérance de vie semblable à une personne qui n'est pas malade. Et aux personnes qui ne connaissent pas le statut, il est très important de faire son test de dépistage. Parce que rester sans le savoir, c'est vrai, ce qu'on ne sait pas, ça ne nous fait pas mal, mais ça tue. Silence. Alors, c'est une forte sensibilisation que vous menez à bien à travers votre mouvement créé depuis... Depuis août 2022. Elle est encore jeune. Oui, très très d'accord. Jeune. Elle vient à peine de naître. D'accord. Paul, tu auras également un dernier mot à ajouter à toutes ces personnes, tous ces jeunes qui sont malades, porteurs du VIH. Qu'est-ce que tu veux bien leur dire ? Moi, j'aimerais dire à mes amis d'abord, c'est repositif, que si je suis là aujourd'hui, que j'ai pu faire et que je suis arrivé à ce stade où je m'en fous de la maladie, ils peuvent le faire aussi. D'accord. C'est une question de volonté. Si tu veux, tu peux. Et maintenant, dis aussi à cette génération séronégative qui nous indexe, qui nous stigmatise que le VIH a changé d'apparence. Alors, il est temps aussi à eux de changer de mentalité parce que ce n'est pas comme ça qu'ils vont nous aider aussi. Nous étions sur ce plateau avec Paul et Sandra. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et l'actualité continue sur Cette Info.